Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui, on est samedi et ce matin, j'étais au club de lecture avec les papoteuses livresques. Du coup, je vous ai filmé quelques images et c'était trop trop bien. Évidemment, on en a bien profité. On a pu voir toutes les copines, parler de livres. Évidemment, on était nombreuses en plus ce matin et le mot d'ordre, c'était coup de cœur. Donc moi, j'ai parlé de mon dernier coup de cœur qui était La fille de Cali de Céline Danjean. Et je crois que j'ai réussi à en convaincre plus d'une. En tout cas, elles avaient l'air d'avoir envie de le lire elles aussi. Donc voilà, c'était vraiment top. Évidemment, je suis pas repartie les mains vides parce que d'une part, j'ai eu des petits cadeaux. Et notamment des papoteuses que je n'avais pas vues depuis quelques temps. Et j'ai acheté aussi deux livres. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de ma lecture au cours, puisque j'ai un petit peu avancé Miséricorde de Jussi Adler-Hosseini. Je suis à 30% du livre et on commence à être bien 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 dans l'intrigue. Donc je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord, mais voilà, pour l'instant j'avance ce polar nordique qui me plaît beaucoup pour le moment. Voilà, sinon au niveau lecture audio, je suis toujours dans Anne d'Avonlea, le tome 2 de la saga donc de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery et j'aime beaucoup parce que finalement je reprends un petit peu là où je m'étais arrêtée avant de lire d'écouter pardon Glacé de Bernard Minier et j'aime beaucoup parce que Anne c'est un personnage très attachant et on voit vraiment son évolution dans ce tome 2 où elle devient un peu plus mature, où elle devient professeur des écoles et en fait elle garde toujours la légèreté et le côté pétillant de son personnage mais avec un regard un peu plus mature. Et j'aime beaucoup, voilà, on la sent évoluer sans qu'elle perde son charme. Il y a des histoires de village toujours aussi adorables. Ça se passe évidemment toujours au Canada en 19e siècle. Et on suit la jeune Anne qui a été dans le premier tome adoptée par un frère et une sœur dans une ferme comme garçon d'aide et voilà. Donc c'est toujours aussi agréable à écouter. En tout cas voilà, j'aime bien. Je crois qu'il me reste à peu près 2 ou 3 heures d'écoute sur ce tome 2. Ensuite, du coup, j'ai reçu aussi des choses dans ma boîte aux lettres, donc je vais pas trop m'éparpiller. Je vais commencer par les cadeaux de mes papoteuses. J'ai reçu donc de la part de Lila un cadeau d'anniversaire qui était un petit peu en retard, mais on s'est vraiment croisés à chaque fois. Et donc je la remercie grandement puisque c'est une box de My Little Box et elle sait très bien que j'adore ça. Donc voilà, donc c'est la box qui s'appelle Balade Arty. Donc un peu parisien, un peu automnal du coup, parce que c'était pour mon anniversaire. Il y a plein de petites merveilles qui sont très très bons. Voilà, un spray d'ambiance, des petites crèmes, tout plein de mignonneries comme j'adore. Donc je vous montre pas trop tout ça, mais voilà, si vous connaissez le concept de My Little Box, moi j'ai été abonnée quand j'étais plus jeune pendant des mois et j'aimais vraiment vraiment le concept. C'était au tout début des box un peu féminines et j'aimais trop. Donc c'est un gros moment de nostalgie, retour en arrière. Donc merci beaucoup à Lila pour ce petit cadeau. Et puis Laurie, ma chère Laurie, m'a offert aussi un petit cadeau puisqu'elle m'a offert une tasse bougie avec un message tout juste génial. Il n'y a qu'un seul bonheur, c'est dans cette vie, c'est d'aimer et d'être aimé de George Sand avec une tasse, tasse mug bougie bleu marine et rose. Très élégant. J'aime trop le message, donc merci Laurie, ça va aller dans ma bibliothèque, direct. Voilà, parfait non, à côté de Karine. Et dedans, elle m'a offert aussi un petit chouchou qu'elle n'a pas fait elle. Elle m'a précisé qu'elle l'avait acheté sur Etsy, mais le tissu est génial puisque c'est un tartan écossais un peu prune. Donc c'est trop bien, en plus je suis à fond dans le bordeaux prune, donc voilà, donc c'est trop mignon, petite attention toute choupinette, donc merci Laurie, merci à toi d'avoir pensé à moi, voilà, donc j'étais un petit peu gênée parce que moi je n'avais rien prévu, mais voilà, en tout cas j'ai été bien gâtée et j'ai évidemment les meilleurs dans mon club de lecture et je vous invite à créer le vôtre ou à rejoindre un club de lecture, vous pouvez faire de très belles rencontres et de rencontrer de très belles personnes qui peuvent vous apporter bien plus que des conseils littéraires. Donc c'est mon cas avec les petites papoteuses livresques de Cultura. Voilà, ce moment plein de bisounours et d'amour est terminé et du coup je vais vous montrer mes autres livres juste après.
Désolée, j'ai été interrompue. Du coup, j'ai acheté deux livres et un magazine chez Cultura. Donc, bon, j'ai pris Magazine Capital parce que c'est l'article sur l'intelligence artificielle qui m'intéressait, qui est donc le sujet principal du magazine Capital. Donc, voilà. Business. Et ensuite, j'étais encore dans le rayon business, puisque les livres que je voulais acheter, notamment un livre qu'a présenté Lila, qui s'appelle L'heure des femmes de Adèle Bréau, qu'on a offert à Florence Floen Books pour son anniversaire, eh bien, elle m'a fait encore envie et je pensais me l'acheter, mais en fait, il n'est pas encore sorti en poche, il ne sortira qu'en avril. Donc, du coup, je me suis noté celui-là dans ma wishlist à acheter, donc là, je ne l'ai pas acheté. Et il y avait aussi La femme de ménage que nous a présenté Florence, une autre Florence, qui me tentait pas mal également, et du coup je l'ai pas vu en rayon, donc je pense qu'il a été aussi victime de son succès et je l'ai pas pris. Voilà, donc après, bah, du coup, je me suis rattrapée sur des livres de business et j'ai été évidemment influencée par Manuela. Voilà, vous l'avez dans le mille, donc dans le mille. La libraire Manuela, donc de Cultura, passe du rayon littérature générale au rayon business, donc pour mon plus grand bonheur. Et elle m'a recommandé un format un peu particulier. Et j'avoue que ça a tilté, puisque il vient de sortir une nouvelle saga, enfin une nouvelle collection, pardon, qui est des livres de business en format manga. Sur le papier, c'est un ovni et ça a l'air vachement bien. Donc du coup, j'ai voulu essayer, j'en ai pris un. Et donc, j'ai pris celui-ci. Ça s'appelle Être résilient, confiant et constructif au travail. Donc ça c'est mon manga soft skill. En fait, de ce que j'ai compris, c'est donc une mise en situation business sous forme de manga. Ensuite, donc avec des explications concrètes et business. Mais voilà, sous une forme un peu ludique. Et donc, il a écrit résister au stress et travailler sereinement, gérer ses émotions et les déceptions, s'appuyer sur son cercle professionnel, construire sa confiance en soi et capitaliser sur ses atouts. J'ai du mal à parler. Les éditions Personne et l'auteur, c'est Koji Kudze. Donc, je trouvais que le support était assez original. Et alors, à l'intérieur, Alors ça se lit dans l'ordre européen. Et à l'intérieur, c'est une alternance de passages manga avec des vrais passages, on va dire, de livres de business un peu plus rédactiques. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire ce nouveau format. Ça a l'air très chouette. Donc voilà, il y a écrit, tac tac tac, pour trouver votre équilibre et vivre pleinement vos aventures professionnelles, vous devez comprendre les mécanismes à l'œuvre. Raïssa, 27 ans, démarre un nouveau job. Alors que ses schémas de pensée négatifs et sa charge de travail l'empêchent de prendre du recul, elle renoue avec Asegawa qui lui insuffle la confiance dont elle manque. Comme Raïssa, identifiez vos points de blocage et levez-les un à un grâce à la psychologie positive et à la résilience, aux techniques de respiration et de contrôle des émotions et aux méthodes d'auto-efficacité à l'aide du collectif. Donc très curieuse de découvrir ce nouveau, cet ovni business pour moi. Seul point négatif, c'est qu'il coûte assez cher puisque celui-ci est à 25 euros. Voilà. Après, encore une fois, alors il n'y a pas en plus beaucoup de contenu, donc je pense que ça se lit très vite. Je sais que voilà, les livres de business en général coûtent assez cher. Donc sur ce point, ça ne m'a pas choquée. Mais néanmoins, pour le contenu, je pense que ce que je vais ici payer, c'est le contenu graphique. Donc le travail en fait graphique est un peu différent. Mais je trouve que voilà, 25 euros, c'est un petit peu cher. Ça sera mon point négatif et puis ben, quand je l'aurai lu, je vous en reparlerai. Mais du coup, voilà, si vous ne connaissez pas ce support comme moi, il y en a déjà deux donc ils sont sortis, il y en avait un autre. Je me rappelle plus du tout, mais je crois que c'était plus sur le changement de business. Bon, c'est pas mon cas. Donc celui-ci, la confiance au travail était un peu plus visée à moi personne. Donc voilà, donc j'ai acheté celui-ci et j'en ai acheté un autre, toujours business, je suis désolée. Et là, c'est un peu par hasard, puisque avec Laurie, on est tombé dessus un peu par hasard. Et donc, du coup, c'est Les Jobs de mes rêves, l'outil indispensable pour gérer toutes les étapes de sa carrière. Et c'est écrit par Carir QN, Queen, 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 je sais pas trop. Et apparemment, c'est une influenceuse business, une dame qui a toujours des lunettes un peu fantasques. Et du coup, bah, j'ai été voir son Instagram, je me suis abonnée tout de suite. Et ce que j'aime, c'est ici, c'est le format au niveau du livre, de son contenu. Et je vais vous essayer de vous montrer.
Voilà, par exemple, ça, c'est typiquement ce qui m'intéresse, avoir le bon mindset. Voilà, c'est des points. Ne tombez pas dans le piège, les erreurs fréquentes commises par les nouveaux actifs. Voilà, ne pas chercher à tout prix sa voie sans prendre le temps de connaître ses voies. Ne pas culpabiliser, de ne pas avoir de vocation, les multipotentiels. Voilà, les sujets m'intéressaient. Et il y a aussi dans ce livre, en fait, des formes d'exercices que donc vous pouvez directement écrire. Bien sûr, là où je cherche maintenant, c'est plus vers la fin peut-être. J'ai voyé des tableaux où tu peux remplir des trucs. Après, voilà, il y a plein de schémas qui parlent bien. C'est bah, typiquement là. Ah, mince. Voilà. Tac. Voilà la bonne stratégie. Donc là, par exemple, vous pouvez cocher des choses. C'est un peu un mi-livre essai et. Et livre d'exercice, donc voilà. Parce que restez, avez-vous un bon mentor dans votre entreprise? Voyez-vous parmi les membres de la direction les rôles modèles qui vous inspirent? Oui, non. Et en fait, je pense que voilà, c'est vraiment les questions que l'on devrait se poser quand on cherche un peu savoir où on en est dans sa vie. Donc il y a des schémas très parlants. Voilà, et là pour le coup, il est à moins de 20 euros. Et le livre est plutôt conséquent. Donc, je vous lis le résumé rapidement. Spoiler alerte, un job pour la vie, c'est fini. Construire une vie professionnelle sur mesure ne se résume pas à trouver le job de vos rêves. Car de même que le monde du travail change à vitesse grand V, les aspirations évoluent au long de la vie et au gré des expériences personnelles et des bouleversements sociaux. Alors, comment se sentir bien dans son travail? En apprenant à naviguer dans ce monde en constante mutation, ce guide va vous aider, quelle que soit votre situation et votre objectif, à choisir un métier, chercher un travail, réussir vos entretiens, évoluer dans votre poste, changer de voie, rebondir après un licenciement, retrouver un emploi après 50 ans. À chaque étape, le secret du bon mindset, l'état d'esprit, les stratégies à déployer au moyen de conseils très factuels et simples à mettre en œuvre. Alors, moi, je ne suis pas vraiment dans le changement d'emploi, changement de vie, etc. Par contre, c'est des sujets qui m'intéressent. Et donc, voilà. Autant l'autre manga qui était un peu sur le sujet me parlait pas spécialement, et autant là, le format et les arguments, les schémas m'intéressent et m'interpellent. Donc, du coup, voilà. Et puis, cette couverture assez punchy, que je trouve très pertinente, m'ont attirée. Et donc voilà. Donc, encore une fois, des achats très, très business pour cet après-midi, cette matinée, pardon. À Cultura. Ensuite, j'ai reçu deux choses. Alors, une que j'ai reçue pendant mon absence, mais c'était à la poste et j'y suis allée hier. Et c'est pas des moindres puisque je me suis commandé le mug de Caro From Woodland. Voilà, donc mug de Rose Hill Cottage. Rose Hill Cottage qui n'est autre que le cottage dans le film iconique The Holidays, que j'adore, que j'adore, j'adore. Du coup, le mug était trop trop beau. La contenance, c'est une contenance maxi. Donc, je suis trop contente. Voilà, c'est 400 millilitres. Et voilà, j'étais trop contente de soutenir aussi Caroline Millet, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai commandé ce mug et je l'ai également, je ne pouvais pas vous le montrer en amont parce que je l'ai également acheté et offert à ma meilleure amie India pour son anniversaire. Et donc, voilà comment il se présente. Il est trop trop beau. Il y a un petit pull dedans. Rose Hill Cottage au cœur de l'hiver et en dessous vous avez le logo de Caro Framoudland. C'est trop beau. Je suis trop contente. Donc voilà, donc je ne pouvais pas vous le montrer avant, mais voilà, c'est chose faite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, et je vous retrouve plus tard. Hello! Aujourd'hui, on est lundi et c'est le retour des sessions filmées dehors. Il faisait trop beau, il fait trop bon là dehors ce matin. Donc, je viens de prendre mon café, je fais une petite pause, il est 10h15. Voilà, des oiseaux, le soleil, mon café dans mon nouveau mug de Caro From Woodland, donc Rose Hill Cottage, qui n'est autre que le cottage du film The Holidays, un de mes films préf avec ma meilleure amie. Donc voilà, j'adore ce mug, il est trop beau. Il est vraiment super, je le trouve très très élégant. Je viens vous parler vraiment rapidement, je vous donne juste un peu mon avis sur ma lecture en cours et j'ai un paquet à ouvrir que j'ai pas eu le temps d'ouvrir samedi parce que j'ai été de nombreuses fois interrompue. Donc tout d'abord, ma lecture en cours qui n'est autre que Miséricorde de Jussi Alderolsen, je suis à 39%.
de la lecture de mon livre. Alors je crois qu'il est assez long hein, puisqu'en papier il me semble qu'il fait 500 et quelques pages. Du coup, dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages. Tout d'abord, on va suivre... Alors, les noms, c'est des noms danois, donc ne m'en voulez pas pour la prononciation. Donc, on va avoir une ministre de... je ne sais plus quoi, économie. Du coup, à Copenhague, qui s'appelle Merete, qui est assez jeune, qui est assez dynamique, qui fait changer les choses, bouger les choses, qui a un peu le vent en poupe, etc. Sauf que sa vie personnelle est assez mystérieuse. Elle n'accepte aucune rencontre d'hommes, elle n'accepte aucun dîner, elle a des heures très fixes où elle veut se libérer en fin de journée pour rentrer chez elle, etc. Ça n'empêche pas d'être très douée dans son travail, mais voilà, ce côté mystérieux est assez curieux pour la population. On se rend vite compte qu'en fait elle a un petit frère qui a un handicap, qui est muet notamment suite à un grave accident qu'ils ont subi avec son petit frère et sa famille, et du coup en fait elle passe son temps à s'occuper de lui. C'est pour ça qu'elle reste très secrète dans sa vie personnelle. Donc on va suivre cette personne là et d'un autre côté, alors c'est une double temporalité, ce qui est assez intéressant, puisque Merete on va la suivre en 2002 au début, et puis d'un autre côté on est de nos jours. Alors il faut se remettre dans le contexte, le livre est assez vieux, du coup là on est en 2007 et on va suivre Karl qui est je sais pas comment, je connais pas les grades, mais il va passer commissaire, donc il est enquêteur au service de la police de Copenhague, et du coup en fait il a subi un choc traumatique suite à une intervention où il s'est fait tirer dessus avec deux de ses collègues. L'un est malheureusement décédé et l'autre est pratiquement paralysé à l'hôpital. Et du coup, lui, il a échappé de quelques millimètres du coup de la mort, et il continue ses fonctions d'enquêteur. La police va ouvrir un nouveau département qu'ils vont appeler le département V. Ou 5 comme on veut, où ils vont mettre en fait Karl un peu au placard parce que il est assez spécial. Et du coup lui, son nouveau département qui a été créé spécialement pour lui dans son petit placard va être en fait un département où il va ressortir des cold cases. Voilà, c'est un personnage assez rigolo, etc. Donc franchement on s'y attache assez vite à ce Karl. Et donc il va réouvrir des cold cases. Je vous dis pas ce que c'est parce que ça vient quand même assez tardivement dans l'histoire, mais vous vous doutez qu'il y a un lien entre Merete en 2002 et Karl et son enquête en 2007. Voilà, donc au niveau où j'en suis, c'est hyper haletant parce qu'il y a un truc qui est clairement incompréhensible et complètement... enfin hallucinant. Donc du coup on a envie de savoir ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi. C'est dur de pas vous spoiler, mais c'est vraiment, moi je ne connaissais pas le résumé et je me suis laissé porter, donc je vous le souhaite aussi si jamais ce livre là vous intéresse, mais franchement c'est super bien et j'aime beaucoup, et je trouve que c'est assez dynamique finalement pour un polar nordique qui d'habitude sont un peu plus lents, prennent un peu plus de temps, ils sont un peu plus froids. Là, je trouve que c'est drôle, il y a même de l'humour, c'est punchy, c'est vraiment pas mal. Donc je continue ma lecture de Miséricorde, j'espère la terminer quand même rapidement. J'aimerais bien lire un cozy mystery en fin de semaine. J'ai rien de prévu spécialement, mais j'aimerais bien, voilà, j'ai envie de lire ça. Évidemment, mon voisin a décidé de démonter sa piscine pile quand je filme dehors. Donc voilà, je suis rentrée. c'est très bizarre en fait d'avoir tout le bruit derrière et en même temps que lui m'entende parler toute seule à ma caméra, ça me... très bizarre. Bref. Du coup, tout ça pour vous dire que après vous avoir parlé de Miséricorde, j'ai aussi avancé Anne d'Avonlea. Je sais pas du tout, parce que du coup j'ai repris sur Audible. J'ai mis en pause Next Story puisque j'ai terminé glacé tout ça. Il me reste 2h23. Donc je pense que j'ai bien avancé. Je sais pas s'il y a des chapitres. N'importe qui, je suppose. Voilà Gilbert qui remonte la ligne, dit Marie. S'il veut tourner vers un tour de partie sur les temps, fais bien attention à mettre ton coup et du vote. Il y a beaucoup de rosés ce soir. Chapitre 18. Je devrais pouvoir regarder. Du coup, normalement j'en suis là.
Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'en suis ici. Donc en fait, non, j'ai à peine dépassé la moitié, mais comme je l'écoute très vite, enfin, c'est-à-dire en 2,2, je crois, vitesse 2, voilà, ça se lit plutôt bien. Je suis page 187 et je lis donc Anne d'Avonlea, qui est le tome 2 de la saga de Anne de Green Gables, que j'ai ici en édition Monsieur Toussaint Louverture, puisque j'ai les trois premiers tomes que j'avais achetés indépendamment et un coffret que j'ai acheté tout seul. Mais du coup, ils sont vraiment trop trop beaux, les livres de Monsieur Toussaint Louverture. Et voilà, donc j'écoute ça, j'ai un petit peu avancé hier. Parce que j'avais du linge à ranger, des choses, enfin, des trucs comme ça. Donc j'écoutais avec mes écouteurs et j'ai un petit peu avancé. Voilà. Sinon, j'ai reçu du coup de la part de Faubourg 54 une collection de vêtements. Alors, en fait, Faubourg 54 m'a contacté pour me proposer de recevoir quelques-uns de leurs nouveautés parce que, en fait, ils ont une collection un peu. L'Italie des lettres, donc ils mettaient en avant en fait des nouveaux graphismes, non, oui, graphismes, lettrés, et donc du coup notamment des alphabets, des choses comme ça, et ils m'ont proposé donc plusieurs choses qui ont un rapport avec la littérature et l'Italie. Donc du coup, j'ai dit bah pourquoi pas, voilà, c'est des choses toujours agréables à recevoir, il faut le dire. Et je connaissais pas spécialement Faubourg 54 et j'aime beaucoup en fait leur identité de marque et je vous invite à regarder ce qu'ils font sur leur site parce qu'en fait ce sont surtout des vêtements à message et un peu graphiques et je trouvais ça rigolo. Donc merci à eux pour ce gentil cadeau. Du coup je vous les montre, voilà. C'est pas une collaboration commerciale, c'est juste des produits offerts, mais c'est très généreux de leur part et je les en remercie. Donc je vous montre ça de suite, je vais l'ouvrir avec vous. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Je n'ai pas d'explication. Alors, Gracie Estelle. C'est bon. Alors, déjà. J'ai un gros paquet comme ça. Ciao! Une petite fleur. Ah, ils sont trop beaux. Trop beaux. Alors, du coup, j'ai choisi deux t-shirts et un sweat parce que je voulais pas prendre trop de trucs non plus. Du coup, j'ai pris alors un qui est très littéraire et un qui l'est un peu moins. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris ce t-shirt qui a écrit Batchi Batchi, ça veut dire bisous bisous. En blanc et bleu, blanc et vert, blanc, rose, vert, rouge plutôt. Donc au niveau de la taille, j'ai pris S et ça a l'air d'être la bonne taille, enfin de pas être trop grand ni trop petit. Donc celui-là, il est trop beau. Le tissu est hyper doux. J'aime trop. Celui-là qui était bien plus littéraire, du coup, je trouvais super classe. C'est un alphabet un peu gothique. J'aime trop les lettres gothiques comme ça. Donc voilà, il y a écrit l'alphabet et après il y a écrit Amore, bien sûr. C'est pas juste l'alphabet d'amour, quoi. Je trouvais un peu graphique. Et alors en fait, les lettres, elles sont en velours. Je sais pas si on verra très bien. Le tissu est super doux. Non, ça a l'air un peu transparent. À voir. Et en tout cas, ça taille bien. Et alors, le sweat, j'ai pris une couleur verte improbable. Franchement, j'ai choisi des trucs. Autant les t-shirts blancs, ça me surprend pas trop. Mais alors, ça, et c'est vraiment ce que j'ai choisi. Il y avait un tas de choix du noir, du gris, du blanc, des trucs que je prends d'habitude. Mais je ne sais pas, j'ai eu une inspiration. Et donc, du coup, j'ai pris ce sweat là. Donc, il est vert avec un cœur au milieu. Et il y a écrit sur la manche Sogno, je crois. Ça veut dire un rêve. Ouais, c'est ça, soignant. Et les lettres sont aussi en velours. Le cœur en velours. Ah, le rouge aussi. C'est une espèce de velours tout doux. Voilà. Je sais pas ce que j'ai en dessous. Je vais essayer le pull au moins. Je vais enlever mon pull Muse. Mon tout premier pull Muse. C'est le club. J'ai mis le chouchou que m'a offert Laurie. Ah, c'est doux dedans. C'est trop doux. Hop.
Et là, la taille, c'est XSS. Parce que j'aime pas trop les pulls trop trop larges non plus. J'ai bien fait parce qu'il est déjà large. Bah dis donc, cette couleur, ça fait du bien. Voilà. C'est écrit Sonia. Et ce cœur d'amour, de la mort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Du coup, je vais aller mettre ça en machine et puis je vais reprendre mon travail. Voilà, je vais passer 10-15 minutes avec vous. Et je remercie encore Faubourg54 pour l'envoi des produits. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi et c'est midi. Je prends mon café, tout va bien. Dans ma nouvelle tasse de Caro from Woodland que j'adore. Elle est trop trop belle. J'ai mis mon nouveau t-shirt Faubourg 54. Du coup, j'ai fait une machine de blanc et je l'ai repassé vite fait. Donc voilà, il est super bien coupé, super bien taillé. J'ai même pas besoin de faire de petits revers de manches. Attendez, j'essaie de vous montrer autrement parce que sur la pointe des pieds, c'est pas pratique. Tac. Vous verrez mieux comme ça. Voilà, avec un petit jean. Tout simplement. Bati bati. Voilà, c'est le t-shirt que j'ai reçu de la part de Faubourg 54. Et bien sûr, je vous mets dans ma barre d'infos le lien pour retrouver les articles sur le site de Faubourg 54. Alors, je vais vous parler lecture et j'ai un unboxing à faire. Niveau lecture, donc je suis sur la fin de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Il me reste, je crois, 17%. Donc ça représente à peu près un peu moins de 100 pages. Et là, ça y est, on a compris qui était le méchant, la personne malveillante de l'histoire, voilà. Forcément, c'est un thriller, donc je vous spoil rien, hein, y a bien un méchant dans l'histoire. Et ça y est, on sait qui c'est. Et là, ça devient une course contre la montre. Et c'est hyper intense. On a bien sûr les liens qui a été fait et entre les deux histoires dont je vous ai parlé dans le résumé. Et c'est dingue. Donc je vous donnerai mon avis final, mais clairement c'est assez positif parce que finalement, j'en parlais avec Flo hier parce qu'elle l'a terminé. Et ce que je trouvais génial, c'est qu'en fait, il y a des digressions professionnelles de la part de notre personnage principal, Karl, qui sont ultra vraies. Je vous explique. En fait, quand il va trouver un indice, par exemple, je sais pas, il va appeler l'assistante du ministre Trucmuche, et ben en fait il va galérer pour avoir une info parce que cette assistante là elle est pas là, donc il va demander à une autre assistante qui elle-même a pas accès au code du logiciel de Trucmuche pour pouvoir lui donner le numéro de machin, mais en fait le numéro de machin, une fois qu'il tombe dessus, bah c'est plus attribué, donc il lui faut une adresse, mais l'adresse il y a plus la personne qui habite là. En fait, ça me paraît bien plus... Alors, vu comme ça a l'air brouillon, mais évidemment, on arrive à suivre, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais je trouve ça bien plus réel que quand parfois on a des enquêtes qui sont vraiment trop faciles, c'est tout cru. Genre, le mec arrive, il tombe sur la bonne secrétaire qui se rappelle du bon truc qui s'est passé il y a 10 ans, qui se rappelle du nom du mec, de son numéro de téléphone par cœur. Bizarrement, le mec habite toujours à la même adresse, il habite toujours chez ses parents depuis 10 ans, il a pas changé de numéro, il a pas changé de... C'est trop lisse. C'est trop facile. Et moi, je trouve que dans ce Miséricorde, dans ce Jussi Adler-Olsen, eh ben, il fait tout l'inverse. Il galère, le gars. Il galère. Et nous, le lecteur, on galère avec lui. Alors, le seul point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que dans le lot, on n'arrive pas trop à trier qui est important et qui ne l'est pas parce qu'il rencontre beaucoup de monde. Évidemment, c'est aussi un but littéraire de nous perdre, hein, dans tout ça, dans ce magma de personnages pour que justement on ne remarque pas la personne qui était importante, et puisque bah, sur la fin bien sûr on se rend compte qu'en fait ce personnage on l'a peut-être croisé à un moment donné où on a entendu parler, il sort pas de son chapeau comme ça, donc c'est ultra réel et je trouve que c'est génial, enfin voilà, je trouve ça super bien fait. Donc j'apprécie beaucoup. Simplement, les noms, c'est un peu dur. Voilà, moi j'ai pris des notes tout le long de ma lecture parce que, alors du coup, une lecture un peu laborieuse parce que toutes les 2 secondes, il faut s'arrêter. Je prends mon portable, j'ai une fiche de notes, j'écris le nom. Tel personnage, c'est Trucmuche qui a un lien avec machin chouette. Donc c'est un peu long, mais heureusement parce que, en fait, comme j'ai pas lu tout d'un coup, c'est un livre que j'ai lu bah, sur presque une semaine. Voilà, au moins...
voilà, je sais où j'en suis et je me dis, comme j'ai envie de lire les autres tomes, j'aurai cette prise de notes qui est déjà là, surtout pour la partie du coup de notre inspecteur Karl, qui du coup est bien plus importante puisque c'est quelqu'un qu'on va suivre régulièrement. Mais c'est une bonne lecture, vraiment une bonne lecture polar scandinave, donc je suis très contente. Et bien sûr, ce n'est pas anodin que Flo et moi nous lisons du Jussi Adler-Olsen, puisque quelque chose se prépare très bientôt pour le mois de mars, et on vous en reparlera plus tard quand on aura toutes les infos. Je ferme la parenthèse, j'ai également presque terminé mon livre audio de Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, puisque je crois qu'il me reste 30 minutes d'écoute, donc vraiment je suis sur la fin, et j'ai adoré ce tome 2, parce qu'on sent que Anne a quand même grandi, on sent qu'elle a évolué, elle est aujourd'hui institutrice, elle a 17 ans, enfin elle a 16-17 ans dans ce tome-là. Elle est plus mature, mais tout en gardant son âme d'enfant qui s'émerveille pour tout et rien, qui va dans la clairière et qui va s'émerveiller d'un bois de bouleau. Enfin, j'adore ces envolées lyriques que fait Anne quand elle parle seule, quand elle s'émerveille de tout, dans toutes les galères et les catastrophes qu'elle se met malgré ses 17 ans. C'est vraiment un personnage ultra ultra attachant, et on sent que voilà, c'est une jeune fille qui essaye d'être le plus convenable possible avec ses valeurs, avec son état d'esprit, avec son histoire personnelle, et voilà, et on m'écrit. Et voilà, donc vraiment, j'ai adoré ce tome 2. Je pense que je vais pas enchaîner avec Anne de Redmond tout de suite, mais voilà, j'ai hâte de la suivre dans ses aventures et de continuer cette saga. Je sais aussi que Monsieur Toussaint, à l'ouverture, sort la nouvelle saga qu'avait écrit Lucy Maud Montgomery à la suite de Anne, qui s'appelle Émilie quelque chose. Et ils m'ont proposé de le recevoir. J'ai évidemment dit oui, mais je ne sais pas quand ça va sortir et quoi que ce soit. Enfin voilà, donc je vous en reparlerai de toute façon très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer pour faire mon unboxing dans mon salon, sera plus facile. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je viens conclure le carnet de bord. Comme vous le voyez, j'ai mis mon pull Faubourg 54. Avec écrit Sonio ici. Et voilà. C'est très matchy-matchy avec mon vernis rouge et mon matcha vert. Est-ce que c'est pas trop drôle? Je pourrais rajouter avec mon bouquet qui est en train de mourir. C'est trop de matchs rouge et vert. Voilà. Donc je me suis fait un petit matcha à Natae parce que, comme vous le voyez, à ma petite mine, ça allait pas trop fort aujourd'hui. Je pense que j'ai un début d'otite. J'ai très mal à l'oreille. Voilà, bref, ça me fait une migraine et tout. Donc je vais pas parler trop fort. Mais je tenais quand même à conclure le carnet de bord. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc pour me donner un petit peu d'énergie, je me suis fait un matcha à Natae. Et vous savez qu'en fait, moi, je bois le matcha. Qui s'appelle. Je sais plus le nom. Cérémonie, je crois. Quelque chose comme ça. En gros, c'est celui qui a le moins d'amertume, qui vient de chez Anatae, j'ai déjà dit. C'est dans ma barre d'infos si vous voulez, il y a le lien et surtout il y a un code promo si vous voulez l'utiliser pour tester. En tout cas, moi je trouve que j'aime mieux le goût du café, mais les effets sont bien plus énergisants quand je bois du matcha. Sûrement, en tout cas, après, je sais pas vous, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que le café, en fait, quand tu le bois, ben, au début tu ressens rien, ensuite ben, t'as une espèce de petit pic d'énergie sympa, et après quand t'as plus aucune énergie, c'est comme un crash, en fait, tu tombes direct. Et puis ben, du coup t'es obligé d'en reprendre un. Avec le matcha, c'est énergisant, mais doucement. Tu vois, tu sens que voilà, ça va mieux, que t'es un petit peu genre punchy, et ça dure. Et en fait, t'as pas de descente. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez soft. Et voilà, puis le goût est très bon. Là, je n'avais pas de lait végétal, j'ai du lait de vache. C'est pas. J'ai aucune intolérance, quoi que ce soit. C'est vrai qu'au goût, j'aime bien le lait de soja. C'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus, mais. Je fais avec ce que j'ai. Et je mets pas de sucre ni rien. Parfois, je mets un peu de cannelle, puisque j'aime bien aussi. Et là, j'ai rien mis. Bon, ça change. Mais en tout cas, je pense que j'en ai besoin pour tenir à cette journée. Je viens vous parler parce que j'ai terminé mes lectures. Voilà.
Il était temps, mais du coup, ah bah du coup, ça m'a mis sur une autre couverture puisque j'ai terminé. Je vais la rallumer, c'est pas grave. J'ai donc terminé Miséricorde de Jussi Adler-Olsen que je lisais sur liseuse avec Flow & Books. C'est le tome 1 de la saga Département V ou Département 5, je ne sais pas, de l'auteur. Et c'est un auteur donc danois. Et alors du coup, on a découvert cet auteur avec Flo. Alors la couverture, voilà, c'est Tac Miséricorde. Le tome 1, ça charge. Ma liseuse a plus trop de batterie parce que en fait, quand je lis le soir en ce moment, je mets sur veille, comme ça. Et je l'éteins pas vraiment. Donc en fait, ça se met en veille. Et ça reste toute la nuit comme ça. Parce que sinon, il faut que j'appuie longtemps et je suis en train de m'endormir, donc je le fais pas. Donc elle a plus trop de batterie. Mais ça fait genre 5 jours que je fais ça et je suis toujours pas rechargée. Donc c'est pour dire que la batterie de la Kobo tient longtemps. Voilà. C'est la Kobo Libra 2, celle-là. La dernière que j'ai reçue. Bref, donc dans Miséricorde, eh bien, comme je vous le disais, on va suivre à la fois une politicienne qui s'appelle Mérété et à la fois Karl, qui est un sous-commissaire de police, de la police de Copenhague, qui va être affecté au nouveau département V qu'on lui crée spécialement pour lui parce qu'il est un petit peu traumatisé par un grave accident. Et bien sûr, les deux enquêtes, si on peut dire ça comme ça, les deux histoires vont s'entremêler. Je vous parlerai juste de mon ressenti final et il est très très positif. Comme je vous le disais hier, mon seul bémol, ça a été le nom des personnages et le nombre de personnages. Mais à part ça, franchement, c'est hyper bien ficelé parce que j'ai adoré les digressions d'enquête, comme je vous le disais hier. Et la fin est extrêmement rythmée. Je pense que les 100 dernières pages se dévorent, clairement. C'est hyper punchy, hyper rythmé. Et c'est une espèce de course contre la montre. On retient son souffle pendant vraiment les dernières pages. Et c'est dingue, dingue, dingue. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pour sûr que je lirai la suite. Donc à voir. De toute façon, je dois vous en reparler bientôt. Mais très bonne découverte de ce livre, de cet auteur aussi, parce que c'était la première fois que je lisais Jussi Adler-Olsen. Et donc voilà, c'est encore un pavé parce que je crois que sur papier il fait 570 pages ou quelque chose comme ça. Donc disons que ce mois de février, j'ai pas lu énormément, mais j'ai lu que des pavés. Parce que je suis en train de regarder ma pile de livres lus. Et donc j'ai lu Shining, qui était assez long, j'ai lu Glacé, qui est un pavé, j'ai lu La fille de Cali et Miséricorde. Donc c'est pas beaucoup de livres, mais c'est quand même des gros livres. Donc je suis assez contente. Et j'ai également donc terminé Anne d'Avonlea. Du coup, je peux retirer mon marque-page. Tac. Donc j'ai écouté plutôt Anne d'Avonlea, le tome 2 de Lucy Maud Montgomery, du coup la saga de Anne de Green Gables. Et comme je vous le disais, là c'est une jeune adolescente et la fin est très 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 indicatrice sur le tome 3 où Anne devient non plus une adolescente mais une jeune femme. Et j'ai déjà hâte de la retrouver parce que j'aime trop ce personnage, il est vraiment attendrissant, vraiment attachant. Fantasque, drôle, et c'est plein de bons sentiments en fait, et du coup quand je lis ça, ça me fait du bien, enfin, du coup quand je l'écoute, ça me fait beaucoup de bien et je suis très contente, donc voilà, et encore une fois, c'est un ouvrage magnifique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et je ne sais pas qui fait les illustrations, c'est vraiment pas cher en plus, parce qu'un hardback aussi beau pour 16 euros, je vous dirais. Les illustrations sont de Midori Kusano. Je ne connais pas, mais en tout cas, c'est trop trop beau. Donc voilà, donc j'ai lu, j'ai écouté, 10e fois, Anne d'Avonlea et j'ai terminé Miséricorde. Donc je suis très contente. Je ne sais pas encore ce que je vais lire en papier, il faut que je regarde mon planning, mais je crois que je vais lire des Cozy Mystery sur la fin du mois. En tout cas, je suis pas trop en retard. J'avais pas prévu grand chose en février parce qu'il y a beaucoup de fêtes
à savoir la Saint-Valentin, la fête des grands-mères à préparer, la journée internationale des droits de la femme aussi, donc beaucoup de travail au niveau de mon business. Donc je me charge pas trop en février. Et pour l'instant, j'ai réussi à tenir. Je vous dis juste que j'ai commencé un nouveau livre audio et c'est un classique. Je voulais l'y changer un peu. Et donc j'ai décidé d'écouter Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, que j'ai ici aux éditions Folio. Jules Verne, je n'ai lu qu'un livre de lui. C'était L'île mystérieuse? Je crois que c'est ça, L'île mystérieuse, que j'avais lu au tout début de l'ouverture de mon compte Instagram en 2015. Je l'avais lu grâce au club de lecture de Mango and Salt. Et c'était mon premier Jules Verne. Et du coup, j'ai la très belle couverture d'ailleurs, qui est pas folio comme ça, classique, mais qui est un, je pense, livre de poche rouge avec plein de décors dorés et magnifiques. Et là, en fait, je n'ai pas la même édition parce que c'est un livre que je m'étais acheté quand j'avais fait mon petit séjour à Biarritz, il y a bientôt 2 ans maintenant, quand j'avais été invitée à l'hôtel Jules Verne. Et je m'étais acheté ce livre parce que je vois qu'il y a. Je m'étais pas acheté en fait, c'est offert. Je l'ai même pas vu. C'était le livre qui était offert. Que moi on m'a offert, parce que je ne sais plus les autres influenceuses ce qu'elles avaient eu, parce qu'on était un groupe pour un voyage de presse. Et du coup, voilà, édition spéciale offerte par l'hôtel Jules Verne, la société des hôtels littéraires. Voilà. Et en plus, moi j'avais la chambre Nelly Bly. Donc c'est le personnage qui est ici. Et voilà, donc du coup, je suis très contente de le sortir de ma pile à lire. Il n'est pas très très long en audio, je n'ai jamais vu le film, ni aucune adaptation cinématographique. Je sais juste que c'est un voyage en ballon. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et donc je suis très contente de le découvrir en audio, j'espère que ça passera bien. Voilà, donc je vous en reparlerai rapidement, je pense, parce qu'il n'est pas très long à l'audio. Je crois que en vitesse 1, il fait 8 heures. Donc comme je l'écoute quasiment en vitesse 2, il faut divisé par deux, le temps d'écoute. Donc voilà ma nouvelle lecture audio. Et pour ma nouvelle lecture papier, je sais pas encore, donc je vous montrerai dans le prochain carnet de bord, je pense. Ensuite, j'ai reçu des choses. Donc j'ai reçu le magazine des prochaines sorties 10-18. Là encore, j'espère ne pas trop faire de sélection, pas trop faire de choix, parce que ma pile à lire ne descend jamais. Peut-être qu'un prochain confinement m'arrangerait un peu parce que je pense que j'ai plus de livres que d'une vie de lectrice. Soit. Ce n'est absolument pas un problème puisque j'adore collectionner les livres. Alors, j'ai reçu donc le catalogue 18 de mars-avril. Le grand retour de Bryce Easton Ellis. Oh, j'en avais lu un. Je crois que j'avais pas trop aimé. Ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, maman, ça c'est ma mère et Florence l'ont lu. Vous savez, les collections qui sont de chez Society, voilà. Les enquêtes Society, ça me parle. Je vais pas regarder ça tout de suite. Je regarde juste s'il y a un Anne Granger qui sort. Alors ça, c'est clair que je le veux. La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. C'est un livre que j'ai. Je suis mal assise. C'est un livre que j'ai offert à Flo & Books. Je sais plus quand, à Noël peut-être. Je me rappelle plus. Ou dans un calendrier de l'Avent, je sais plus trop. Et elle avait beaucoup aimé. Et par la suite, j'ai écouté le podcast Le bruit des pages, que j'aime beaucoup, dont je vous parle régulièrement. Et elles en avaient parlé, Catherine et Marine. Et je l'avais bien noté. Et donc, du coup, maintenant, elle sort en poche, donc c'est parfait. Et je voulais juste voir s'il y avait. Tac. Anne Granger. Eh ben non. Voilà, il n'y a pas Anne Granger, donc c'est réglé. Donc je regarderai tranquillement pour les autres que je ne connais pas, mais je vais d'ores et déjà sélectionner le livre de Society et la collectionneuse de mots oubliés. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas que je regarde davantage ce magazine, parce que sinon je risque d'en rajouter d'autres. Voilà, j'ai reçu d'autres choses. J'ai reçu un paquet qui me vient de Flammarion. Et Flammarion,
À part peut-être. J'ai pas envie de dire une bêtise en fait. Ah oui, non. Pas du tout ce que j'attendais. Génial. Trop contente. Oh non. Dommage. J'ai cru que c'était dédicacé. Fausse joie. J'ai reçu le dernier Agathe Ruga. Rendez-vous à la porte dorée. J'adore Agathe Ruga pour sa plume principalement et pour la personne qu'elle est. J'adore cette autrice, je la trouve tellement belle, tellement mystérieuse, énigmatique. J'aime beaucoup cette femme. Et bah voilà, je sais pas si vous la connaissez. Et voilà, du coup bah, je suis trop contente. Je l'ai vue passer rapidement sur les réseaux, mais je ne savais pas qu'il allait sortir si vite et surtout que j'allais le recevoir. Je voulais le résumer. J'ai oublié pourquoi je t'ai quitté. Comment vivre quand on a le sentiment d'avoir éconduit l'amour de sa vie? À quoi sommes-nous prêts pour le récupérer? Anne étouffait dans son quotidien de mère et de femme. Elle n'avait pas compris qu'elle était comblée avant de tout envoyer valser pour vivre une passion avec un homme plus jeune qu'elle. Après le succès de L'homme que je ne devais pas aimer, le nouveau roman d'Agathe Ruga révèle les secrets de la dillusion après la fuite. Il raconte surtout une histoire d'amour, celle de Anne et Joachim, que seule l'écriture éternisera. J'adore sa plume. Oh, j'ai trop envie de lire ça maintenant. Voilà. Rendez-vous à la porte dorée. À Pénélope, Clotilde et Alban, c'est ses trois filles. Bref, magnifique. Merci beaucoup à je sais pas qui, à Flammarion ou à Agathe. Je ne sais pas qui je dois remercier, mais en tout cas, c'est arrivé jusqu'à chez moi et je vous remercie beaucoup. Je suis assez fan du tableau, du coup, qui a été un peu, je suppose, remasterisé. Je ne suis pas sûre qu'il soit peint comme ça à la base, mais il n'est pas écrit. D'où vient l'illustration? Bref, vous en fichez probablement. Donc, merci beaucoup à vous, Agathe et Flammarion. Et enfin, j'ai reçu un très gros paquet qui, d'ailleurs, ne rentre quasi pas dans ma boîte aux lettres. Et le facteur l'a coincé, mais je suis très, très reconnaissante parce qu'il a réussi à le rentrer. Moi, j'ai juste eu beaucoup de mal à le sortir. Et donc, je vous annonce que ma boîte aux lettres fait exactement la taille de ce carton. Donc, voilà. C'est un gros, gros colis qui me vient de la part de J'ai lu. Et je crois savoir ce que c'est. Alors, je m'étais préparée, voilà, avec des ciseaux. Forcément, je les avais perdus. Salam. Alors, je crois savoir ce que c'est parce que j'ai reçu une proposition de la part de J'ai lu pour recevoir un roman, une fresque familiale italienne qui me tentait énormément. Vous savez que j'adore les romans saga familiale, secret de famille, manoir, lettres oubliées, destin de jeune fille qui découvre que sa grand-mère n'est pas sa grand-mère, machin, machin. J'adore ça. Et donc, du coup, c'était un peu la même chose, je crois, dans le résumé dont m'a fait part J'ai lu. Et en plus, il y avait une partie italienne. Étant moi-même d'une famille vénitienne, et ben, ça me parle. Alors, du coup, c'est très bien emballé. Nous avons une boîte dans une boîte. Ceci dit, le paquet est hyper bien, hyper propre. Je pourrais le réutiliser. On réutilise toujours les emballages quand on le peut. Ainsi que ce papier bulle. Très propre aussi. Je peux tout à fait réutiliser. Et alors, comment ça s'ouvre? Alors, comme ça. Comme ça, Estelle, c'est mieux. Attendez, je baisse le truc. Voilà. Un papier bulle, waouh. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est très protégé. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Ça, vous voyez bien en même temps que moi. Ah oui, il y a des choses qui cassent. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce que c'est? De la crème de noisette. Seulement 3 ingrédients. Ah oui, il va y avoir du chocolat là-dedans. Alors, non. C'est-à-dire que c'est noisette du Piémont, sucre de canne et cacao. Et merci beaucoup. Mais du coup, voilà, c'est. J'ai l'habitude. C'est, je pense, la crème de noisette qui est en fait du Nutella bio. Parce que c'est
C'est très, très gentil pour mon mari qui va me demander des crêpes ce week-end, du coup. Merci. Je rigole, mais c'est adorable. Alors là, j'ai une petite ballerine. Alors, en porte-clés, c'est très, très mignon. C'est très joli, ça. Doré. Alors, j'imagine que c'est un rapport avec la danse. Il y a écrit So Danza. Bon, j'imagine que c'est la marque du truc. C'est original comme goodies. Ensuite, il y a des cartes et ensuite, il y a le livre. Et je pense que c'est tout. Oui. Hop, on va ranger ce très joli emballage. C'est une très belle boîte d'ailleurs qui sera réutilisée. Alors, là ici, on a une carte d'un opéra. C'est le ballet à la Scala. Voilà, le ballet de la Scala, Milan. En 1900. Pardon, je n'ai pas lu jusqu'au bout. Je ne sais pas si on voit très bien, mais effectivement, ça a l'air d'être une reproduction. Tac. Et là, oh, c'est beau ça. Lac de Côme, Italie. J'adore le lac de Côme, c'est magnifique. Si un jour vous avez la chance, je suis désolée, vous parlez à mon, de, pour regarder mon tweet, il est très joli, mais peut-être que vous voulez que je vous parle en face. Si un jour vous allez au lac de Côme et que vous passez à travers Bellagio, c'est un endroit hors du temps, sublime, sublime. Et bien écoutez, cette carte, c'est magnifique et je pense qu'elle va faire partie de ma collection de cartes qui décore mon bureau. J'adore les couleurs. Et en plus, c'est des petites cartes, on peut les envoyer, mais je vais me les garder, évidemment. Et voilà. C'est donc l'héritage d'Esté. Il y a un petit clin d'œil à mon prénom, n'est-ce pas? De Soraya Lane aux éditions. J'ai lu, bien entendu. La couve est trop belle avec ce manoir là. C'est, je ne sais pas si ça existe, c'est une vraie photo, mais c'est très beau. Donc l'héritage d'Esté, je vous lis la quatrième. Bien après le décès de sa grand-mère, Lily reçoit une étrange convocation chez un notaire londonien. Lors du rendez-vous, elle apprend que son aïeul avait un lien avec un foyer pour mère célibataire du nom de Hope House. Elle reçoit aussi en héritage un coffret qui contient une vieille recette en italien et un programme de la Scala de Milan. Appelée par son travail en Italie, Lily compte en profiter pour tenter de percer les secrets de sa famille grâce à ses mystérieux indices, dans le cadre enchanteur du lac de Côme et d'un superbe vignoble. Deux générations plus tôt, Estée, vouée à devenir danseuse étoile, s'était prise par malheur d'un homme qu'elle n'a pas eu le droit d'aimer. Une histoire tragique qui va traverser le temps et bouleverser plus d'un destin. J'adore. Soraya Lane, l'autrice, donc, vit en Nouvelle-Zélande où elle se consacre pleinement à l'écriture, essentiellement de romans historiques qui séduisent un large public. L'héritage d'Estée est le premier tome d'une saga en 8 volumes consacrée à des femmes déchirées par des secrets de famille. Trop bien. J'ai envie de lire ça aussi maintenant. En tout cas, ça sonne de toutes parts. Mais oui, c'est Florence qui m'écrit. Voilà. En tout cas, bah, merci, merci, merci beaucoup à J'ai lu, parce que ce colis est juste dingue. Alors, j'aurais apprécié une confiture, éventuellement. Non, mais c'est vrai que les services de presse, c'est pour tout le monde, donc c'est, ils font ce que les gens aiment normalement, voilà. Donc c'est trop génial, c'est un super colis, je vous remercie beaucoup, j'ai lu. J'avoue que je ne sais pas par quoi commencer. J'ai très envie de lire une de nouveautés que j'ai reçues cette semaine ou la semaine dernière pour ma nouvelle lecture, donc pour ce week-end. J'hésite entre un cozy mystery, comme j'en ai reçu pas mal là, entre Joanne Fluck, entre Cozy Home et La cuisine de Titia, là, qui est le cozy philippin. J'avais très envie de lire un cozy mystery. Mais j'ai très envie de lire ça aussi, le Agathe Ruga et le Soraya Lane. Trop dur. Bref, en tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler et d'ouvrir ces jolis paquets qui me remontent le moral. Enfin, le moral est là, c'est juste. La fatigue, on va dire. Je vais finir tranquillement mon matcha avant qu'il ne refroidisse. Je vais vous laisser également ici. J'espère que vous aurez apprécié ce carnet de bord, que vous avez pu noter quelques lectures. Peut-être que vous avez envie d'acheter quelques livres avec mes recommandations.
Et voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de très bonnes lectures et je vous dis ciao!